Sur la stratégie belote gagnante, aujourd'hui on va jouer à une partie de Quinche avec annonce tout atout sans atout. N'hésite pas à liker, commenter, partager et t'abonner pour ne rien louper de toutes les stratégies que je partage lors de chaque manche. Alors déjà, j'ai 4 10 qui font un carré 10 et qui font 100 points. J'aurais bien aimé jouer un petit 90 sans atout. Le problème, c'est que ils vont savoir que j'ai tous les 10. Et possiblement, je vais tous me les faire prendre. Et même si j'ai un carré de 10, c'est pas magique. Il faut que je fasse au minimum 80 points pour pouvoir remporter la manche. Si j'avais eu un autre as, j'aurais tenté le coup, mais là. Là, je ne vais pas tenter. Et puis, de toute façon, même si on ne remporte pas la manche, s'ils font pas de capot, à la fin de la manche, on marque 100 points. Voilà. Déjà, ils font pas de capot. Il y a 5 atouts qui sont sortis. 6. Sept et 8. 8 et 9. Bon, j'ai mal compté. Voilà, grâce à l'annonce, on a quand même 171 points, même si on a perdu la manche. On a autant de points que eux. Là, je ne vais pas surenchérir parce que j'ai pas le 9. Même si j'ai deux as, en fait, surenchérir, ça voudrait donner une information fausse à ma coéquipière. En tout cas, pour le premier tour, je ne surenchéris pas. Pour le second tour, je surenchéris pour annoncer mes as, en fait. Après, tout dépend ce qu'elle a en main, quand même. Ah. J'espère qu'elle a un bon jeu. Il n'y a pas d'annonce, donc il faut vraiment qu'on fasse... Et elle n'a pas la belote non plus. Génial. Donc, il faut vraiment qu'on fasse 140 points, c'est-à-dire que eux, pour gagner la manche, il faut qu'ils fassent au minimum 23 points. Donc, le premier pli, le prochain pli, c'est mort. Donc, il y a 5 atouts qui sont sortis. Je ne sais pas ce que j'ai aujourd'hui, je compte très mal. Désolée, il y en avait 6 en fait. Donc, dans tous les cas, effectivement, on a bien joué. Et on remporte la manche. Donc là, j'ai l'as, le roi, la dame. Je vais tenter un 90 sans atout. L'as, le roi, la dame qui équivaut à une tierce. Et donc, ça fait 20 points. Bon là, je surenchéris pas, même si j'ai la tierce, parce que franchement, je ne sais pas exactement ce qu'elle a. Surtout que lui parle à tout atout.
Non, ça sent le capot là. Non. Et du coup, ils sont dedans parce qu'il n'y avait aucune annonce. Donc, il fallait vraiment qu'ils fassent 130 points. Et avec tout ça, on remporte la manche. J'espère que ça vous a plu, que vous avez passé un bon moment. Et puis, je vous dis à bientôt pour une autre partie.